Slimane accusé d'agression sexuelle, cette vidéo explicite qu'il aurait envoyée en pleine nuit. Déjà visé par deux plaintes pour des faits de harcèlement et d'agression sexuelle, Slimane est aujourd'hui mis en cause par deux autres hommes. L'un d'entre eux a notamment affirmé dans les colonnes de Mediapart que le chanteur lui aurait envoyé une vidéo explicite en pleine nuit. Figure emblématique de la scène musicale française depuis presque une décennie, Slimane s'est révélé au grand public en participant à la cinquième saison de The Voice sur TF1. Le jeune apprenti chanteur a finalement lancé sa carrière musicale après avoir remporté le programme en 2016. Enchaînant les succès, le musicien a gagné en popularité auprès du public. Ce qui lui a d'ailleurs permis de représenter la France lors de l'Eurovision 2024. Toutefois, l'image publique du musicien a volé en éclats ces dernières semaines. En fait, Slimane fait actuellement l'objet de deux plaintes. Celles-ci ont été déposées par des techniciens qui ont travaillé sur sa dernière tournée. Le premier affirme que l'ancien vainqueur de The Voice s'est rendu coupable d'harcèlement sexuel à son encontre. Le second assure pour sa part qu'il a été victime d'agression sexuelle de la part du chanteur. Slimane aurait envoyé une vidéo à un homme sur laquelle il est en train de se masturber. Vendredi 22 novembre 2024, Mediapart a révélé de nouveaux témoignages compromettants pour Slimane. En effet, deux hommes affirment avoir été victimes eux aussi d'harcèlement sexuel. Le premier aurait notamment reçu des photos à caractère sexuel de la part de l'artiste, en 2019 et 2021, sans avoir jamais consenti à ces envois. Il a commencé à m'envoyer des photos de lui et de son sexe, et à m'insulter parce que je n'envoyais rien en retour. Je lui ai dit d'arrêter, en lui disant qu'il allait le regretter, a de son côté assuré le second. Il m'envoyait des propositions à 3h du matin, me disait je suis excité. Et il m'a envoyé une vidéo de lui en train de se masturber, a-t-il par ailleurs ajouté. Le chanteur est actuellement visé par une enquête préliminaire. Il m'a raconté ce qu'il s'était passé à la soirée, à laquelle je n'étais pas, puis m'a montré des messages de Slimane. Ils étaient tous clairement à connotation sexuelle, il n'y avait que du cul, c'était évident que Slimane cherchait à tout sexualiser, a également précisé l'un des amis de cet homme. Également cité par Mediapart. Pour rappel, le premier technicien qui a porté plainte pour harcèlement sexuel contre le musicien a aussi affirmé que Slimane lui aurait envoyé des messages et vidéos à caractère sexuel, voire pornographique. Une enquête préliminaire a depuis été ouverte par le procureur de la République de Saint-Étienne contre le chanteur.